J'espère que vous allez bien. Bon, je pense que ça fait. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Jazz qui a porté plainte pour vol, menaces, escroquerie, etc. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Plusieurs jours. Beaucoup tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, je pense que ça fait plusieurs jours que je me suis pas filmée face cam. Comme vous voyez, je suis un peu dévastée. Donc, c'est vrai que c'est un peu. Différent que de mes stories, parce que j'essaye du coup de vous poster que du positif et sans montrer ma gueule en fait. Et voilà, donc vous savez tous pourquoi, hein, ça va pas. Par rapport à cette histoire énorme d'escroquerie, franchement j'en peux plus pour nous parce qu'on se bat pour récupérer notre argent. J'en peux plus pour toutes les personnes que je lis qui sont vraiment brisées. Alors, entre des femmes que leur mari leur en veulent extrêmement, qui ont divorcé, entre des gens qui ont été ruinés, entre des gens qui se remettent pas d'avoir investi leurs économies. Il adopte souvent la même stratégie, hein, c'est par la confiance que. De toute façon, je vais vous dire très sincèrement, pour qu'il arrive à voler des gens. C'est vrai que nous, on est deux fois plus vigilants parce que bah généralement, on est des proies faciles pour ce genre de truc. Donc du coup, là, je vous dis la vérité, c'est un peu aussi de ma faute, je ne l'ai pas vu venir. Laurent, quand il me les a présentés, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses d'eux? Est-ce que la première chose que je dis, c'est moi j'ai adoré son mec, donc Mehdi Harbi, donc c'est lui un peu la tête de tout, c'est le Tunisien. J'ai rencontré son mec Farhat. Je me suis dit, bah, en fait, je m'entendais trop bien. Genre, on était en mode de copain-copine, les meilleures copines du monde, et moi. Donc forcément, à fond dedans. Je me suis dit non, on peut leur faire confiance, ils avaient un lifestyle de ouf. Franchement, jamais j'aurais vu le truc venir. Ensuite, par la suite, il organise une grosse soirée qui paye lui, Mehdi Harbi, tout seul. Donc la soirée, elle a dû lui coûter, franchement, je dirais 20 000 euros. Et c'est pas tous les jours que tu rencontres des gens qui dépensent autant d'argent dans une fête. Donc je me dis, ouais, mais vraiment, en plus, il est généreux le mec. C'est vraiment quelqu'un de. Qui a un vrai gros train de vie, en fait, tu vois. Pourquoi il aurait aucun intérêt de me voler. Donc en fait, moi, je dis à Laurent, non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi Laurent m'a posé toutes ces questions? Tout simplement parce que Laurent, il a posé de l'argent, donc sur son. En fait, il lui a passé l'argent et le mec devait lui rendre avec des bénéfices. La semaine d'après, donc je veux pas rentrer dans les détails de comment ça s'appelle ça, là, parce que je connais pas trop. Mais en fait, comme Laurent faisait que recevoir des messages de gens qui disaient, ouais, c'est un voleur qui m'a escroqué, il flippait. Et moi, j'ai dit, mais non, Laurent, ça doit être des gens avec qui il a eu des embrouilles, ça doit être des rageux. Mais c'est vrai que ça commençait à devenir fréquent, donc Laurent commençait de plus en plus à stresser. Et du coup, je me disais, voilà, comme ça, on est bon. Là, je rencontre Evan Paris, donc Evan qui est en fait son associé, mais ça, il ne me le dit pas sur l'instantané. Il m'explique que Evan, bah, c'est un Français hein, qui est blindé, c'est son meilleur ami, il est blindé, ses parents, ils font beaucoup d'argent, etc. Moi, je Google sa famille, donc sa grand-mère notamment, de qui il est très proche, et je me dis, ah oui, en fait, c'est des gens, on va dire, de la haute société. Là, je commence moi bah, ce soir-là, donc je me lâche un peu, je fais quelques vidéos parce que je me dis bah je suis avec ma nouvelle bande de potes entre guillemets. Et je reçois beaucoup de messages concernant un mec Youssif Mohamed Amine qui lui n'est pas là, mais tout le monde me dit ouais fais attention à lui, c'est son web designer, il est également tunisien, ils font des énormes escroqueries. Enfin, je me dis waouh c'est quoi ce délire? Ils me donnent carrément des noms les gens d'un mec qui est même pas là. Donc de là, moi je flippe, mais je reste toujours un peu en arrière parce que pour Mehdi Harbi et tout, moi j'ai rien à voir avec ce truc, mais je lui dis, voilà, écoute, moi aussi peut-être que je vais investir de l'argent. En combien de temps? Si par exemple je mets, je sais pas, à 50 000 euros, combien je vais gagner en une semaine? Il me dit, bah, tu peux gagner 7, 8 000 euros de plus. Je me dis, ouais, c'est vraiment intéressant ce truc. Et je vois que constamment son téléphone il sonne, mais Laurent continue à recevoir un nombre incroyable de messages d'arnaque. Jusqu'à des footballeurs très connus, etc. Et donc là, Laurent devient un peu plus agressif dans ses propos, en mode, il lui dit, écoute frérot, ça y est, on a dépassé le délai d'une semaine, il faut que tu me rendes de l'argent. Mais il essayait d'être un peu en mode, quand même, on est des potes, tu vois. Et il me disait, Jazz, Laurent, il me disait, Jazz, s'il te plaît, pars avec lui. Je lui disais, ouais frérot, tu rends quand l'argent à Laurent, etc. Tous les jours, il essayait de gagner du temps, jusqu'à ce qu'il se volatilise de Dubaï. Il disparaît, lui et tous ses compatriotes-là. Bref, depuis, je ne peux pas rentrer dans les détails tout de suite parce que c'est énormément long. J'ai rassemblé toutes les requêtes des victimes que nous donnons tous à mon avocat, qui est en France donc, et qui pose plainte donc en France. On a fait les portées de plainte
à Dubaï, en Turquie parce que c'est un pays où il se cache, et Rio, c'est un endroit où il se cache, enfin tous les pays dont il va, donc on met des plaintes Interpol pour que tout ça s'arrête. À côté de ça, s'enchaînent les multiples menaces. Quand je dis des menaces, c'est des vraies, vraies menaces. Où vraiment, en fait, c'est un film, je vous dis la vérité. Si un producteur de Netflix me contacte, je pense que là, on est sur l'arnaqueur de Tinder, mais en pire, parce que lui, il respecte même pas ses victimes, il les torture. Donc, c'est vraiment. Je sais pas, genre, en fait, Donc, c'est juste, voilà, te faire peur, te menacer, menacer, menacer. Et en fait, la majorité des clients, du coup, lâchent prise parce qu'ils ont vraiment peur. Et comme moi, je parle publiquement, d'ailleurs, en message privé et tout ça, ils m'appellent la nazie. Donc, ça me. Enfin, bref, cette enfant-là. Voilà, ils nous insultent toute la journée en message, etc. Et puis après, d'un coup, son cerveau se rallume parce qu'il est très bipolaire. Ben, je vais vous envoyer l'argent, mais quand j'aurai décidé, d'ici une semaine, pas une semaine. Après, Ah non, en fait, j'ai un crédit de temps, donc de l'argent qu'il me doit, pour vous emmerder dans votre vie. Donc, vous aurez jamais rien. Après, va te faire enculer. Après, t'as ci, après, t'as ça. Donc, nous sommes rentrés en contact avec Evan, qui lui est un citoyen français. Donc, en lui expliquant qu'il va ramasser des très beaux pots cassés à cause de tout ça et qu'on va le faire arrêter. Et que malheureusement, c'est lui qui va aller en France toute sa vie pour son associé. Donc, on lui a dit, écoute, tu as deux options. On lui dit qu'il faut qu'il dise à son associé de nous rembourser et d'arrêter ses menaces si il a rien à voir avec nous. Enfin, c'est pas s'il a rien à voir avec nous, mais s'il a rien à voir avec tout ça, avec cette escroquerie. Soit bah, il se joint à nous, j'ai dit tu viens nous rejoindre, tu viens à la police avec moi, tu dis que t'es une victime, comme ça tu seras pas coupable. Bref, ils essayent de gagner du temps en permanence et puis ça dépend. Le Evan a quand même plus de remords, sachant que sa famille sont des gens en France, que c'est des gens quand même aisés, qui ont bonne réputation, ce sont des gens très corrects. Et bah, je pense qu'il a pas trop envie de savoir que la France entière sache qu'il est mêlé à une escroquerie. Vous n'avez même pas idée de l'ampleur de cette escroquerie. Et au final, bah, ils font que gagner du temps, que nous tourner en bourrique. Mais en fait, c'est ce que des victimes nous disent, qu'elles vivent depuis 1 an, 6 mois, 8 mois, 9 mois. En fait, ils font toujours semblant que ça va arriver et que finalement, ils vont finir par donner. Donc voilà, il y a donc beaucoup de souffrance dans tout ça. Bien évidemment, cette personne n'a pas l'habitude qu'on lui tienne tête. En fait, c'est comme ce média Harvey là, c'est comme un pervers narcissique qui a horreur qu'on lui tienne tête. C'est-à-dire que même ses associés lui disent rembourse-les, comme ça ils arrêtent, etc. Ils arrêtent de parler et tout ça. Je crois que ça lui vient pas au cerveau, il n'a pas compris. Que en fait, même tous ses amis et ses associés, ils s'en foutent, il les met en danger, il n'en a rien à faire, il adore l'adrénaline. C'est vraiment je vous dis la vérité, un grand malade. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur lui. Ce que je peux vous assurer, c'est que la justice, elle va être bel et bien faite. Forcément, il essaye de se refaire un peu sur le buzz, parce que c'est vrai, on va pas se mentir. Laurent, parfois, a eu des mauvaises réputations, donc forcément, il essaye un peu de renverser la tendance. En fait, on a la preuve de absolument tout, même les transactions d'argent qui ont été faites, et on a. Toutes les 5 minutes changent de truc, c'est ah, il va tuer que Laurent, non, en fait, il va tuer moi et mes enfants, non, en fait, Laurent, il va l'égorger, non, en fait, moi, je vais être veuve, non, en fait, moi, je suis une grosse pute, non, en fait, je suis nazie, non, en fait, j'ai pas de chance d'être avec un mari comme ça, non, en fait, s'il avait été hétéro, il se serait marié avec une femme comme moi, enfin, c'est un malade, je vous assure, là, on est au niveau de la psychiatrie, sauf que le truc que je ne comprends pas, c'est comment que ce mec, il rôde dans les rues depuis des années et des années, malgré les plaintes que les gens ont fait. Je pense qu'il n'y avait pas assez de pouvoir, donc aujourd'hui, je me sers de ça, des réseaux, pour faire bouger les choses. Et je ne lâcherai pas. Et ça, je vous assure que je ne vais pas lâcher l'affaire de cette histoire. C'est clair et net, c'est pas possible. C'est un truc de malade. Et tous ses associés, là, le Evan, le Youssif, tout ça, là, et son mec, parce qu'il veut pas qu'on parle de tout ça. Ah oui, il m'appelle le nazi parce que j'ai parlé de son mec, mais en fait, son mec Fahad, en fait, c'est lui qui m'a abandonné. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est un délire, en fait.
Le Fahad, c'est lui qui m'a fait meilleur copain avec moi, genre pour qu'on ait confiance, qui veut tout le temps me voir, qui me dit tout le temps, viens, on fait des soins ensemble, est-ce que tu peux me conseiller en mode? Le Mehdi m'avait même demandé genre combien je lui prendrais pour lui faire un relooking, et je lui ai dit, mais genre, on est des amis, gratuits, on va faire du shopping ensemble, normal, il n'y a rien. Enfin, genre, ça allait loin dans la manipulation, et pendant un long moment, et genre, vraiment, genre, ça me choque, encore une fois, qu'on se soit fait niquer à ce point. En tout cas, moi, j'ai cessé d'écouter leurs menaces et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de tout ce que je peux. Forcément, je peux pas tout dire sur les réseaux pour l'instant parce que ça serait leur donner de l'avance sur tout ce qu'on sait et tout ce qu'on a sur eux. Mais je fais au mieux en tout cas. Dernière chose, merci beaucoup pour tous les messages que je reçois de soutien. Parce que j'en reçois quand même énormément, ça fait vraiment, c'est vraiment cool, voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup, merci, 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 c'est vraiment gentil. Et pour le peu qu'il y a de personnes qui se réjouissent un peu du malheur et qui disent des phrases comme moi, je les assume totalement, parce qu'ils pensent que, genre, je dis pas, genre les arnaqueurs arnaqués, je voudrais simplement vous répondre quelque chose. Si un jour j'ai fait un placement de produit dont vous n'avez pas reçu le colis, par exemple, j'en suis navrée. Vraiment. Sauf que pour être très honnête, j'ai été payé une pub qui a sur un site par exemple qui a été vérifié par une agence quelconque, que ce soit WeEvents, Schoenevents. L'agence a vérifié le site avant que je promouvoie la publicité, que tout soit comme il faut. Et si vous avez un ou deux, je sais pas, qui n'ont pas reçu leur colis, c'est pas moi qui vous ai arnaqué. J'aimerais me dire aussi que c'est pas la marque, mais peut-être que j'en sais rien. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour ruiner la vie de qui que ce soit. Il y en a beaucoup qui reparlent aussi des fois de à l'époque Billionaire Prono, mais à l'époque Billionaire Prono était une plateforme qui marchait super bien, qui était contrôlée par l'Argel, qui était enfin tout était là quoi en fait. Et en fait il y a eu une fois un problème de prélèvement qui s'est passé une fois, dont toutes les personnes qui ont réellement été privées, puisqu'on a eu des centaines de milliers de mythos, donc on parle de prélèvement de 5 euros, hein, ont été remboursées. Et après il y avait les personnes qui n'annulaient pas leur abonnement mensuel, mais en fait ça c'est comme si t'as un abonnement SFR, t'as un contrat d'un an, mais après il continue ton contrat, et si tu l'arrêtes pas, il s'arrête pas tout seul. Enfin c'est comme ça, tous les abonnements presque. Donc c'est vrai que voilà, on a souvent voulu mettre cette éthique parce que, en fait, on va pas se mentir, les gens à l'époque jaloux de Laurent aimaient bien quelque chose qui est vachement resté, et à chaque fois, mais retombé sur la gueule aussi. Sauf que moi, je vous assure que je suis une personne avec un énorme cœur et que moi, j'ai toujours fait mes placements via agence en fait. J'ai jamais fait mes trucs par moi-même, donc je sais pas pourquoi en plus à chaque fois mon genre, je pense que c'est parce que ça donne toujours mieux de mettre jazz ou je sais pas, ça fait un peu plus de bruit. Mais voilà, moi j'ai le cœur pur et là on parle d'un mec qui a détruit des vies entières et qui a volé des énormes sommes. On parle ne serait-ce que même pas de 500 euros. On part sur une base de minimum 1000, entre 1000 et 3000 euros par personne, allant jusqu'à des centaines de milliers. Donc c'est pour ça que là, en fait, ce que je voudrais, c'est pas que vous pensiez à moi et Laurent en particulier, pour ceux qui nous aiment pas. Hein. Moi, je parle juste aux gens qui nous aiment pas. C'est pas grave, hein. Même si vous nous souhaitez qu'on récupère pas notre argent, allez, c'est pas grave. Mais juste au moins pour toutes ces personnes qui sont victimes de ça, parce que en fait, des sommes comme ça ruine ta vie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que Netflix réalise, par exemple, un film sur l'arnaqueur de Tinder et pas sur ça. Parce que là, on parle d'un niveau encore plus supérieur. On parle d'un niveau où c'est l'argent est supérieur, le nombre de victimes est supérieur, mais derrière, il y a tout ce qui engendre les menaces, etc. Il envoie des gens, hein, chez les familles des gens, pour leur faire peur. Hein. Moi, ça n'est pas arrivé, mais il en fait à beaucoup de personnes qui ont donné leur témoignage. Il y a des personnes qui ont déposé des plaintes depuis 2019. Voilà, malheureusement, apparemment, les parents de Mehdi Harbi sont complices également, donc ça fait de la peine, hein, de se dire que les parents sont comme ça. Je pensais qu'on allait pouvoir leur parler, les raisonner, mais en fait non, on est pareil, on est dans la même cas de figure. Il y a juste, voilà, je compte sur la famille d'Evan, que quelqu'un de la famille d'Evan lui fasse entendre raison, parce qu'il est en train de salir, parce qu'il va vraiment finir ses jours en prison, et que la seule chose qu'il a à nous dire, en espérant que je ne vais plus parler, c'est de nous dire, j'ai parlé à mon avocat et juridiquement, vous n'avez pas le droit de citer mon nom sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas le droit de raconter tout ça. J'ai dit, ouais, je sais pas d'où ça sort, ça, parce que la liberté d'expression en France existe. Et j'ai dit, au pire,
c'est pas très grave, vous pouvez porter plainte pour ça. Je suis en train de dénoncer une bande d'escrocs, des mecs qui ont escroqué en bande organisée. Je suis pas en train de parler de je ne sais quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Je tiens compte de tout devant mes 4 millions d'abonnés, il n'y a pas de problème. Voilà, donc mon seul but, c'est de les arrêter, comme j'aurais dit, même s'ils ne veulent pas avoir mon argent, c'est pas grave, on s'assoit sur l'argent, mais je ne lâcherai pas cette affaire, que ce soit publiquement ou en interne avec les autorités, jusqu'à ce que au moins l'un d'entre eux soit en prison. Voilà, c'est clair et net, c'est pas possible. Et que toutes ces victimes puissent avoir justice. Au moins, tu vois, comment vous dire, les voir périr en prison, parce que, en fait, ce qui est très dur en plus, c'est que ces mecs-là font la fête H24. Et du coup, bah, toutes les personnes qui se sont fait voler, comme moi, bah, en fait, se disent, bah, en fait, il fait la fête sur mon cul. En fait, et c'est horrible pour ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de parler et qui sont menacés par cette petite bande d'escrocs horribles. Donc, voilà. Ce sera tout pour ce soir. Je vous en dirai un peu plus chaque jour. Plus en profondeur sur chaque personne. On rentrera plus dans les détails de chaque chose et croyez-moi que je vous tiens au courant de tout ce qui se passe. Bon, bah, comme j'ai pas l'occasion de moi-même de répondre à toutes les victimes un par un sur la boîte mail, c'est tout le service juridique qui nous aide. Je voulais dire à toutes les victimes, ça y est, votre heure est arrivée, vous êtes senti très mal, volé, délaissé. Et tout ça, mais aujourd'hui on est là et je vous assure qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on va vous aider et que quoi qu'il arrive, si un jour on ne récupère pas notre argent, vous aurez au moins la satisfaction de les avoir vus arrêter. Donc c'est tout ce qui compte. Et comme je leur ai dit au téléphone à eux, ils ont beau inventer les histoires mirabolantes qu'ils souhaitent, ils peuvent se baser sur toutes les choses négatives à notre sujet, peu importe quoi, je n'arrêterai pas quand même. Et surtout, bah dans chaque film, hein, les méchants ne gagnent pas toujours, enfin très rarement même. Et surtout, tout s'arrête un jour. Donc là, ça fait plus de 2 ans qu'on est sur une grosse escroquerie. Sachant que le Mediarbi, je tiens à préciser, pardon, qui est la cour escroquerie, justement. Les gens là-bas pensaient qu'après sa prison, justement, il allait redevenir quelqu'un de bien. Mais ça n'a été que pire. Finalement, vous voyez pourquoi il n'a pas peur aussi. C'est un peu un psycho. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bah, en fait, le film va s'arrêter. Le film va vraiment s'arrêter et je vais contribuer à ce que le film s'arrête. Donc, c'est fini le silence, c'est fini de continuer la best life, la diétette. Partout où il ira, je serai pas loin pour prévenir les autorités et faire tout ce qu'il y a à faire. Encore plus, bah, vous vous doutez bien, pour par exemple Evan qui lui est français, mais du coup, ça sera beaucoup plus facile. Ou je sais pas, peut-être qu'il ira plus voir sa famille. Enfin, le mec, je lui ai dit, choisis, tu veux une vie de délinquant escroc ou qui fuit tout le temps, ou tu veux pouvoir, je sais pas moi, vivre normal avec ta famille, sans le cœur sali, sans détruire des gens. Mais je sais pas. Lui, il est encore en réflexion, je crois, de où il veut se positionner. Donc, au fur et à mesure, je vous tiendrai à courant. Pareil pour l'autre copain là, Mohamed Amine, qui est tunisien aussi, qui c'est très dommage ce qu'il fait. Parce que lui, pour le coup, il vient d'une famille très bien. Mais après, c'est fou, hein, parce qu'on a les infos sur tout le monde, tout, 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 tout. Hein. C'est, je vous assure, c'est un film. Chacun des membres du clan Gage et du. Et encore plus, bah. Donc voilà, c'était la story de Jazz Korea de la JLC Family. Donc on apprend une nouvelle news. Voilà, on savait que elle avait une histoire de vol, d'escroquerie, tout ça, voire de menaces, tout ça terrible. Mais là, on sait aujourd'hui maintenant qu'elle a porté plainte et que le pire, c'est qu'elle a des moyens, tu sais, pour sortir des gros avocats, tout ça. Donc, ça risque d'être compliqué pour les présumés escrocs. Après, beaucoup dans les commentaires, ils vont marquer, ouais, mais Laurent Billionnaire, il carottait avec le trading. Le trading, on va dire nuance, le trading en lui-même n'est pas une arnaque, le vrai trading, il tourne par exemple le forex, ce qu'ils proposent certains influenceurs, le forex, par exemple, vous avez 3-4 sites de forex officiels, vous pouvez vous y inscrire. Mais le souci, ça serait que c'est très risqué. Vous vous doutez bien pour par exemple. C'est très risqué, c'est-à-dire que c'est d'après ce qu'on m'a expliqué, ça serait comme le tiercé. Si tu mises pas beaucoup, ben tu vas pas gagner beaucoup. Si tu mises beaucoup, tu vas gagner beaucoup.
Et si tu mises beaucoup, tu risques de perdre beaucoup. Alors que si tu mises pas beaucoup, il y en a, ils font ça, cette petite technique, mais ça leur prend beaucoup de temps, ça leur bouffe beaucoup de temps de faire que des petites mises et des petits gains. Mis bout à bout les petits gains Ben, qui lui et quelques pertes, mis à bout des petits gains, ben, ça fait une petite somme à la fin du mois pour arrondir la fin de mois. Il y en a qui font du trading, du forex, dans le forex par exemple, dans ce style-là. Mais ils se sont un peu spécialisés, ça leur prend beaucoup de temps. Bien sûr, ça ne serait pas vendeur. Bien sûr que ce qu'on reproche, c'est la pub mensongère de dire c'est gagnant à tous les coups ou faire miroiter des sommes mirobolantes. Les sommes mirobolantes, au forex, si vous voulez les gagner, faut miser gros. Mais si tu mixes gros, tu risques de perdre gros. C'est comme ça, des signaux, ben il y a des bons traders, tout ça, qui envoient des bons signaux, mais même le meilleur trader, ben il fait des. Des fois il se trompe, il pensait qu'il allait gagner là, alors qu'il a perdu là, voilà, mais qu'il retombe sur ses deux pattes à la fin. Enfin bref, mais en tout cas, il n'y a pas à menacer une famille avec des enfants, tout ça, c'est abusé quand même. C'est abusé, les escrocs, voilà, ils ont faim. En général, c'est des beaux parleurs. Ou parfois, ils parlent pas beaucoup. Donc, tu sais, cet air mystérieux, ténébreux, tout ça. Donc, on va suivre cette affaire de près. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les Et je conseille. commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2 Choose. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile. Ou je sais pas, peut-être qu'il aura pu voir sa famille. Enfin, le mec, je lui ai dit.